Je suis assez stupéfait de voir que certains Congolais de la diaspora se surexcitent sur la nomination de Obame-fils Itou à la tête de la police congolaise. Comment pouvez-vous applaudir le fils d'un autocrate qui a été au service du despote Denis Sassou Nguesso? Avez-vous déjà oublié que son père faisait partie du dispositif de l'oppression du peuple congolais? Qui est Obame-Itou fils? N'est-ce pas à ce poste par la volonté de Christelle Sassou Nguesso qui peu à peu démantèle le dispositif sécuritaire mis en place par Jean-Dominique Okemba afin de s'assurer loyauté dans sa succession de gré à gré qui s'annonce? Sincèrement, vous avez livré comme ça le général Denga à la vindicte populaire par vos agissements? Moi, je n'accepterai pas. Je vous le dis sincèrement. Des milliers d'entre nous ont fait notre travail correctement, en dehors, on court à gauche, à droite pour essayer de bien faire les choses. Et puis, par la cupidité d'un chef de commissariat, c'est toute l'institution qui est salie. Ah, moi, je n'accepterai pas. Vous savez, moi, j'ai fait toute ma carrière de police, j'ai jamais travaillé dans un commissariat. Je suis issu des unités d'intervention, j'ai jamais travaillé dans un commissariat. Ce n'est pas que je n'ai pas eu l'occasion, j'aurais pu. Mais vous savez pourquoi j'ai du mal à travailler dans un commissariat? Mais c'est votre propension à demander de l'argent à tout va. On est dans un commissariat, quelqu'un vient déposer une plainte, vous lui demandez l'argent. Quelqu'un qu'on a agressé, qu'on a volé, vous lui demandez l'argent avant d'agir. Je ne savais pas faire ça. J'ai préféré ne pas aller dans un commissariat. J'étais mieux dans les unités où je ne demandais pas l'argent, j'allais, je prenais le PMACA, je faisais ce que j'avais à faire. C'était plus difficile comme travail, mais au moins je ne me mêlais pas de prenez l'argent des mamans, prenez l'argent des vieilles femmes, des papas. Non, moi je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas. Vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes habitué, ça ne vous dit rien. Tant pis pour vous, les gars. Vous avez déjà fait. Si vous vous arrêtez, c'est très bien. Si vous ne vous arrêtez pas, je vais vous obliger à vous arrêter. Vous allez le faire au village ou à la maison. Je n'accepterai pas. Je vous le répète plusieurs fois, je n'accepterai pas. Je préfère avoir 10 policiers qui font correctement leur travail plutôt qu'en 60 et avec 80 qui font le désordre. Les Congolais doivent se mettre à l'évidence. Le mal profond que traverse le Congo, c'est d'abord et avant tout le système mis en place par le despote Denis Sassou Nguesso. Ne vous laissez pas tromper par des quelconques nominations, claniques, tribales, avec des discours mensongers sur un prétendu changement à la tête du pays. Il faudrait que les Congolais réalisent que le pays ne connaîtra jamais la prospérité aussi longtemps que cette famille dirigera le pays. Comment pouvez-vous faire confiance à un seul instant à des gens qui ont structurellement appauvri le peuple, assassiné des brillants intellectuels et citoyens qui avaient une vision différente de la leur? Comment peut-on imaginer un seul instant que le dictateur Denis Sassou Nguesso puisse apporter un plus à la jeunesse congolaise, quand même ce dernier a volé plus de 14 000 milliards de générations futures? Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est... Et pour les générations futures, et garder pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Denis Sassou Nguesso,
un voleur pris dans son propre piège, incapable de répondre à une simple question. Les Congolais de la diaspora ne doivent surtout pas se laisser mentir par la nomination de Obami fils Itou. Un enfant nourri à la mamelle du régime qui a assassiné tout espoir d'entreprendre dans le pays. Des gens qui sont incapables de donner l'eau, l'électricité et la santé à la population. Et vous croyez que ce gamin viendra changer quelque chose dans le quotidien des Congolais? Le mal du Congo, c'est bel et bien le despote Denis Sassou Nguesso et sa famille biologique et politique. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs.